Le Salon Oz continue avec ses conférences et ses interviews inspirantes. Et nous avons aujourd'hui la possibilité, en tout cas l'occasion et la grande chance d'accueillir Laetitia Laclé, qui est conseillère d'entreprise. Et avec elle, nous allons parler de la reprise d'entreprise. Qu'est-ce qu'on... Que l'idée qu'on façonne à sa manière, ou soit on repart sur un existant. Donc du coup, sur une clientèle existante, sur une entreprise qui fonctionne déjà, qui a déjà un recul par rapport à l'évolution de son activité. Et du coup, il peut y avoir effectivement des opportunités de reprise, soit parce que les cédants partent à la retraite, ou soit simplement ils souhaitent changer de secteur d'activité. Concrètement, on en est où au niveau des reprises d'entreprise? Est-ce qu'il y a beaucoup de reprises en Martinique ou ça reste quand même un peu marginal? Alors, ça reste marginal, sauf que depuis quelque temps, on a observé une certaine volonté des porteurs de projets en fait, d'avoir un peu plus d'informations sur la reprise, parce que c'était comme complètement un point qui était occulté. Lorsqu'on recevait les porteurs de projets, ils étaient orientés création, vraiment partir de leur idée, créer vraiment une nouvelle entreprise. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à la communication qui a beaucoup évolué au niveau national, mais aussi au niveau régional, il y a plus de personnes qui sont tentées par un projet de reprise d'entreprise. D'autant plus qu'en Martinique, on a pu observer qu'il y a un bon nombre de chefs d'entreprise qui sont proches du départ à la retraite. Voilà, c'est la question. Est-ce qu'il y a des occasions, justement? Est-ce qu'il y a vraiment des occasions de reprendre des entreprises en Martinique? Tout à fait. Donc, il y a des opportunités. Donc, la CCI a mis en place, justement, depuis peu, des diagnostics donc, sur les entreprises à transmettre pour pouvoir leur permettre d'avoir une visibilité, justement, sur ce potentiel et sur le nombre d'entreprises à transmettre. Quels sont les domaines dans lesquels il y a le plus d'entreprises à récupérer, entre guillemets? Alors, dans les secteurs d'activité, on retrouve beaucoup d'entreprises dans les services aux entreprises, justement, plus sur les prestations de services et un peu sur tout ce qui est restauration. Pas le BTP? Alors, nous, au niveau de la CCI, c'est pas notre registre, ouais. Mais au niveau de la Chambre des métiers, parce qu'on travaille aussi avec eux, effectivement, ils enregistrent pas mal de transactions. Quels sont les principaux freins lié à la reprise d'entreprise? En général, c'est le coût qui reste élevé. Ça coûte cher de reprendre une entreprise? Ben, en fonction de l'évaluation qui est faite par le cédant, ça peut être un frein pour les repreneurs, bien qu'il existe de nombreuses solutions de financement de ces reprises-là. Mais comment ça se passe? Quelqu'un qui souhaite prendre une entreprise doit payer pour récupérer l'entreprise? Tout à fait. Donc, soit il achète le fonds de commerce ou soit il rachète la société. Donc, du coup, quel est vraiment l'intérêt de reprendre une entreprise si on peut repartir de zéro, entre guillemets? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt particulier à reprendre une entreprise qu'on peut plutôt créer? Oui, parce qu'en fait, on part d'un existant. On part avec un fichier client. On part avec une existence, une notoriété. Et puis aussi avec un bail commercial, du coup, on assure la pérennité de l'entreprise. Et tout ça, ça s'évalue et ça représente un coût, puisqu'on ne part pas de zéro. Après, il y a différentes évaluations qui sont réalisées. Et c'est au repreneur, justement, de faire différents diagnostics pour voir si effectivement la proposition qui est faite par le cédant se tient. Mais ça nécessite un accompagnement spécifique pour les repreneurs. Dès lors qu'ils sont dans cette démarche, ils ont un certain nombre de diagnostics à réaliser. Donc aussi bien un diagnostic humain, donc savoir quel est le personnel de cette entreprise, qui détient le savoir-faire, est-ce que cette personne est proche du départ à la retraite. Enfin, il y a quand même une analyse à réaliser sur l'existant. Aussi bien sur l'existant matériel, donc tout ce qui est matériel existant dans l'entreprise, quel est l'âge de ce matériel, est-ce que c'est du matériel qui aura à renouveler d'ici peu. Sur les compétences, du coup, bien identifier qui détient les compétences clés de l'entreprise. Et donc voilà. Quel intérêt il y a pour le cédant à se séparer ou faire en sorte qu'on reprenne son entreprise? Quel est son intérêt? Alors, son intérêt, enfin, beaucoup, quand ils sont dans une logique de transmission, j'ai envie de vous dire que c'est un bébé qu'ils ont nourri pendant 20 ans, 30 ans. Mmh. Et leur motivation première, c'est quand même laisser leur entreprise entre de bonnes mains. Donc du coup, en général, c'est des activités qu'ils réalisent par passion. Et pour avoir accompagné les entreprises, ils tiennent à ce que les valeurs qu'ils ont inculquées dans l'entreprise puissent perdurer. Donc c'est vrai que la phase de passer de la phase de transmission pour les cédants, ce n'est pas une épreuve évidente.
et ils ont besoin d'être confortés lorsqu'ils ont un repreneur identifié quand ce n'est pas un membre de la famille. Il y a un intérêt pécunier aussi à vendre. Oui, bien sûr, parce que l'entreprise est valorisée, donc c'est aussi en tirer profit. Avec le fait aussi également qu'on meurt plus tard et qu'il y a beaucoup de... Il y a effectivement des personnes âgées qui n'ont pas forcément toute leur motricité et compagnie, mais vous avez aussi beaucoup de personnes qui font toujours une activité. Est-ce que ça arrive quand même qu'il y ait des gens qui se disent « j'ai 70 ans, mais il faut quand même que je laisse mon entreprise », mais il y a aussi des gens qui restent. Comment on peut évaluer ça justement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent pas mal de recul et qui sont toujours dans l'entreprise. Tout à fait. Et comment on évalue ça justement? Alors c'est vrai qu'il y a... Parce qu'ici, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de chefs d'entreprise passionnés et du coup, leur entreprise, c'est leur vie et ils ont beaucoup de mal à se détacher. Donc, c'est vrai que quand vraiment la santé ne le permet pas, c'est vraiment à ce moment-là où ils n'ont pas le choix. Donc, ils essayent de trouver des issues de secours. S'ils ne peuvent pas bénéficier de cette transmission, parce que idéalement, beaucoup auraient souhaité que ce soit leurs enfants qui reprennent le flambeau, sauf que ce n'est pas forcément en fait les motivations de tous les enfants et voilà quoi. Est-ce qu'on a des chiffres dessus sur le fait que ce soit les enfants qui récupèrent ou pas? Est-ce que ça arrive très souvent que ce sont les enfants qui récupèrent les entreprises ou comment est-ce qu'on le pense? Je ne dirais pas très souvent, mais ça arrive. Ça arrive. Alors, en termes de statistiques, je ne pourrais pas vous donner des chiffres concrets, mais il y a quand même des enfants qui sont volontaires à la reprise de l'entreprise de leurs parents. Est-ce que vous avez beaucoup de chefs d'entreprise qui préparent la reprise? J'entends par là d'avoir des salariés dans leur entreprise qu'ils préparent petit à petit à les remplacer. Ou c'est quelque chose qui reste assez marginal? Alors, à ma connaissance, ça reste encore trop marginal parce que c'est vrai que la difficulté, c'est vraiment d'avoir le déclic. En fait, pour avoir réalisé des diagnostics de transmission, dans l'une des questions qu'on pose aux cédants, c'est « vous envisagez de transmettre dans combien de temps ?» Et souvent, c'est je commence à y réfléchir. Enfin, et on n'a pas vraiment de réponse concrète. Donc, ils ont du mal à se projeter en fait, sur la transmission. Du coup, comment la CCIM accompagne justement ces personnes qui souhaitent transmettre leur entreprise et ceux qui souhaitent récupérer Alors, il y a plus de demandes que d'offres ou plus d'offres que de demandes? Est-ce qu'il y a plus de personnes qui souhaitent céder leur entreprise que de personnes qui souhaitent reprendre les entreprises? Alors, il y a quand même plus de repreneurs que de cédants. Alors, ce qu'on a mis en place depuis le début de l'année, c'est l'adhésion à un site qui s'appelle transentreprise.com, donc sur lequel la CCI Martinique et la Chambre des métiers de l'artisanat de la Martinique ont adhéré. Et du coup, ça permet en fait de recenser l'ensemble des cédants et des repreneurs. C'est-à-dire que les repreneurs identifient la cible qu'ils souhaitent reprendre, donc le secteur d'activité, le budget dont ils disposent. Et en fonction du portrait robot, si vous voulez, on peut mettre en adéquation les entreprises potentielles à reprendre qui correspondent au budget du repreneur. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait cette problématique de pouvoir avoir une liste de données concrètes d'entreprises à transmettre. Et aujourd'hui, donc, ce site nous offre la possibilité de permettre aux cédants et aux repreneurs de consulter justement cette liste. Quelle est la durée moyenne d'une préparation à une reprise? Entre le diagnostic dont vous avez parlé, combien de temps à peu près il faut? Alors, en fait, pour donner une moyenne, on va dire 6 mois à 1 an. Mais ça va dépendre aussi de l'évolution en fait sur le projet, parce que du coup dans l'accompagnement que propose la CCI, on est dans une logique de co-construction. Donc du coup on travaille un peu au rythme de la personne qu'on accompagne, parce qu'on va travailler avec lui mais on ne fera pas à sa place. Donc du coup en fonction du rythme qu'il va initier, on va l'accompagner, mais en moyenne oui, on est sur du 6 mois 1 an pour un projet de reprise. Très bien. Il y a un coût éventuel à prévoir ou... Alors, on est sur un accompagnement qui est payant. Du coup, on va définir en fait en fonction du stade d'avancement du projet. Donc, en fait, dans ce qu'on propose au sein de la CCI pour accompagner les porteurs de projets d'une manière générale, donc que ce soit un projet de création ou de reprise, on a un premier niveau d'information générale, donc sur la création, la reprise. Qu'on permet d'obtenir lors de nos réunions d'information qui se tiennent généralement chaque dernier vendredi du mois.
Et à l'issue de cette réunion, on propose donc une formation qui s'appelle la formation 5 jours pour entreprendre. Et là, on va vraiment passer sur le passage de l'idée au projet, donc sur la formalisation du projet. Et on va accompagner sur la modélisation du business plan. Donc, justement, c'est ça ma question. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut justement, à part sur le salon OZ, bien sûr, vous l'avez compris, le salon OZ, aujourd'hui et demain, il y a des stands de la CCIM, mais surtout, il y a des conférences sur la reprise d'entreprise. Je crois que demain également, il y a une conférence de la CCIM. Je ne sais pas c'est quoi le sujet demain, mais la CCIM est présente donc sur les stands du salon OZ, que vous pouvez vous inscrire et venir nous rejoindre sur le salon et pouvoir discuter avec la CCIM sur ces questions. Où on peut donc retrouver ces questions si on n'a pas la possibilité de venir au salon OZ? D'accord. Alors, effectivement, si vous n'avez pas la possibilité de venir aujourd'hui ou demain, vous avez la possibilité de retrouver sur le site de la CCI Martinique l'ensemble des événements qu'on organise de manière récurrente et de manière ponctuelle sur ces thématiques-là. Après, on a un service qui s'occupe donc de la création reprise, dont je fais partie, donc avec des conseillers d'entreprise qui accompagnent en fait de l'idée au projet, donc sur toute la partie business plan, etc. Merci beaucoup, Madame Laetitia Laclé. Je le rappelle, vous êtes conseillère d'entreprise à la CCIM. Tout à fait. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Et à très bientôt. À bientôt.